Comment vas-tu? Ça va, Cathy. Ça va bien. Elle va bien. Elle s'est levée. Fantastique. Est-ce que nous allons nous réunir aujourd'hui? Oui, je vais la remettre à toi bientôt. À quelle heure? J'ai hâte de voir Bean. J'ai une surprise pour elle ce soir. C'est quoi? Comme je t'ai dit, c'est une surprise. Ah bien, je vais être à ta maison à 3h30 ce soir. Mais d'abord, je veux déjeuner avec ma fille. Oui, c'est bon, mais je voudrais aller à Pâques avec Bean. Est-ce que nous pouvons nous rencontrer là-bas? Oh, oui, d'accord. Fantastique! Je vais vous voir à 13h30. N'oublie pas, n'arrive pas en retard. Bien, mais tu sais que je n'arrive jamais en retard. Oui, à bientôt! Ciao! Jacques et moi sommes divorcés. Moi, je suis avec Bean pour le week-end et Jacques est avec elle pendant la semaine. Je viens des États-Unis et Jacques est français. Donc, Bean vit deux vies différentes. Je voudrais déjeuner avec Bean à un restaurant cher cet après-midi. Quand elle est avec sa mère, elle mange seulement de la mauvaise nourriture. Elle mange de pizza, des hamburgers, des frites avec sa mère, mais avec moi, elle mange seulement de la meilleure cuisine. Bean, assieds-toi. Ne va pas là. Pouvez-nous commander, s'il vous plaît? Du poisson, de la tarte à pommes et une bouteille de vin rouge pour moi. Des asperges, c'est des crevettes pour elle, s'il vous plaît. Papa, je veux la nature pour les enfants. Donne-moi un moment d'or. J'aime les hamburgers et le frit. Non, ce restaurant est le meilleur restaurant dans la vie. La nourriture est bonne et chère. Il n'y a ni hamburgers ni frits. De plus, ils ne sont bons pour la santé. Mais maman permet que je mange comme ça. Comment je t'ai dit? Sa mère permet souvent que Bean mange tout ce qu'elle veut. Très mauvais. Bean, où tu vas? Regarde, papa, il y a un ballon blanc sur le mur. Oui, mais tu ne dois pas faire de tout en mangeant. Assieds-toi. Salut, Jacques. Salut, Denise. Comment ça va? Ça va bien. Et toi? Pas mal, mais... Bean ne veut pas être grande. Oui? Où est-elle? Voilà. Bean, viens ici. Jacques, tu dois lui enseigner à manger dans un restaurant. Regarde, elle commence à déranger les autres personnes. Oui. Bean! Tu es son père. Alors... Répète cette commande. Bean, viens ici. Bean, viens ici. Et restez assis près de la table. Et reste assis près de la table. Finis tout ce qui est sur la table. Finis tout ce qui est sur la table. Autrement, je ne vais pas commander la glace comme dessert. Autrement, je ne veux pas commander la glace comme dessert pour toi. Oui. Alors, les enfants ont besoin des autres et les parents ont besoin d'être les autorités, oui? Oui, mon mari et moi sommes très stricts à nos enfants. Pour les enfants, les parents doivent être des amis autorités. Oui, tu as raison. Alors, Bean, allons-y. Nous allons rencontrer ta mère. Youpi! Mon fils Donald parle trois langues. Maintenant, il apprend une quatrième, le chinois, chaque lundi. Ouh, ma fille doit apprendre rapidement le chinois parce qu'elle a 4-1 déjà. Je ne peux pas te dire. J'ai oublié. Il doit étudier à la première université.
Est-ce que je dois enseigner une troisième langue en ce moment? Excusez-moi, mais il n'est pas nécessaire. En France, il est important que les enfants t'éveillent. Les enfants doivent être enfants. Ne punissez pas une bêtise, mais vous devez établir des limites et vos enfants vont penser comme adultes. Merci, je n'ai pas pensé comme ça. C'est un bon conseil. De rien. Maman! Bonjour ma fille, comment ça va? Bien maman, mais avec papa, je ne mange pas que ce que je veux. Pourquoi pas? Ils disent que les hamburgers ne sont pas sains. Oui, parce qu'ils ne sont pas sains, Bean. Les hamburgers sont très mauvais pour la santé. Bien, il est correct. Les hamburgers ne sont pas sains. Et je sais que vous êtes une femme saine comme moi, n'est-ce pas? Ah oui, oui, je veux manger la nourriture des adultes. Bien sûr, je suis d'accord. Parce que tu es déjà une dame très mûre, n'est-ce pas? Oui, je suis très mûre. En fait, tu es si mûre que j'ai acheté un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? J'ai hâte de savoir ce que c'est. Alors, je vais partir maintenant. Bean, embrasse-moi avant que je parte. Three. Oui, papa. Au revoir. Au revoir, Jacques. Où est mon cadeau? Voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau to-do. Je sais que ton doudou est un peu vous et sale. Alors, je t'ai acheté un nouveau doudou. Youpi! Sois sage, Bean. Ne crie pas. Oui, maman. Mais je dois te jouer avec ce doudou. Bon, Bean. Je suis heureuse que tu sois heureuse. Sais-tu pourquoi que j'ai acheté ce doudou pour toi? Pourquoi, maman? J'ai acheté ce doudou pour toi parce que tu es très sage ordinairement et j'ai voulu récompenser ce comportement. Alors, si moi continue à être sage, puis-je avoir plus de cadeaux? Peut-être, ma fille. Youpi! Bean! Désolée. J'ai pris beaucoup aujourd'hui. D'abord, je pris quand manger dans un restaurant, puis j'ai appris que pour être grand et intelligent, je dois manger une nourriture saine. Finalement, et plus important, j'ai appris que je peux gagner beaucoup de cadeaux si je suis sage.